stage un peu. Ouais, ouais, ouais. Je peux tenir cette page. Ma vie-là, c'est qu'elle la vie. Thank you.
papa, nous voulons aimer les. Seigneur, accorde-nous ta grâce ce soir. Oh, et ça nous sommes venus dans la compagnie. Donne-nous ta parole. Et ça nous sommes venus dans la compagnie. Tout le monde est venu. Saint-Esprit. Mon nom est Gambé. Fille Jésus. Yo, vous lisez ça pour nous. Au milieu de nous. La quatrième somme. S'il te plaît. Tout le monde est venu. Seigneur. Oh, nous ne pouvons pas empêcher les mystères d'ange, Seigneur. Ils ont un ministère, Seigneur, à faire. Ils ont un ministère à faire. Nous ne savons pas les empêcher. Comme nous aussi, nous ne voulons pas qu'on nous empêche quand nous exerçons notre ministère. Qu'ils fassent leur travail. Ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chapitre 13, verset 8. Nous en avons beaucoup à Hébreu 13, verset 8. Lisons la parole du Seigneur. Tangli de bas, de Télémi, Seigneur soit. Hébreu, chapitre 13, verset 8. Nous en avons Hébreu 13, verset 8. Quelqu'un est avec moi. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça la parole de Dieu. Et amen. Il y a pourquoi il est le Dieu. Que Dieu te mette au nom de Jésus. Amen. Que nous sommes en train de squatter. Oh, tous amis pour ça les là. Je voudrais qu'on lise simplement ça. La colline à tout en ayango. Que le Saint-Esprit nous parle. Bonjour mon ami dans les élections. Aide-moi d'abord. Les Sunga Dei. À compléter les chaises qui sont vides devant toi. Ya koué ba ko ki sala kiti o ba ba za te ko isa ni ko se ne. C'est pas vrai. S'il vous plaît. Oui, chaise vide devant vous complètement. Les ceux qui ont quitté mon corps de selon votre qualité au plus saint de vous. Amen. Amen. Je vous dis shalom au nom de Jésus-Christ. Et je vous prie de saluer votre voisin de gauche de droite. Avec joie. Avec joie, avec sourire. Priez un peu. Nous sommes à la clôture. Nous avons possible ça. Si tu n'avais pas manifesté la joie le premier jour, manifeste ça maintenant. Et lui, nous avons fait un long parcours, nous voulons accéder. Les hommes de Dieu sont passés ici. Nous avons été fortement bénis. Et aujourd'hui, nous voulons sceller notre bénédiction. Au nom de Jésus. Maintenant, dis-lui ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Répète encore. Maintenant, acclame Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, mets-toi. Mais ça c'est écrit aux familles. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit m'aide. Je ne sais pas comment je vais commencer. Parce que beaucoup ont parlé de Jésus-Christ et les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Dans l'aspect guérison, dans l'aspect miracle. Je m'en fais grâce d'être un enseignant. Quand je lis un message, quand je lis un verset, j'aime toujours faire l'exégèse pour savoir pourquoi il est dit comme ça. Je me pose tant de questions.
C'est comme un verset qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Lorsque vous regardez ce passage de Hébreux 13, 8, le premier lecteur qui lit cela, il va. Mais plusieurs commentateurs de la Bible disent que c'est pour démontrer l'immuabilité de Christ. Et les de Christ a été. Comment Christ est immuable? Pourquoi Hébreux dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Vous devez savoir une chose. Que le verbe être, lorsqu'il est employé dans la Bible, cela a plusieurs significations. Le verbe être signifie aussi Yahweh. Or, Jésus-Christ dans les mots, dans les noms Jésus-Christ, il y a déjà Yahweh. Alors, lorsque Jésus veut dire Yahweh qui sauve, et Christ qui veut dire Messie, ça veut dire l'envoyé ou loin de l'éternel. Et Christ, on dit que Messie, il doit m'ôter de tout péché. Yahweh envoyé pour sauver est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moïse, il n'avait jamais connu le nom de Jésus.
aide-moi. Aide-moi. Un jour, Jésus, en train de discuter avec les pharisiens, Jésus-Christ leur dit, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et la prophète. Mais je suis venu l'accomplir. Jésus-Christ est le même hier. Oh, hier, il s'est révélé. Il s'est révélé avant comme elle est lion. Et à qui t'as-tu posé la parole pour la elle est lion? Pour accomplir cela, mais pour l'obtenir, au soir de sa vie, mais n'a pas encore moyen. Elle est lion, ça veut dire. Il dit que le maître du ciel est pour lui à ma et de la terre. Mais à ma terre, c'est celui qui a le pouvoir de gérer le ciel aussi magnifique. Elle domine la terre. Le plus grand, le plus grand, le plus grand,
qui va diriger Esaïe, qui va diriger Daniel. Amen. Le plus petit dans le royaume de Dieu, qui est le plus grand qui a charbonné les collègues. Jésus a dit. Yes, tous les prophètes, il n'y a pas de plus grand que Jésus. Mais, le plus petit, oh, dans le royaume, le plus grand que Jésus. Le plus petit dans le royaume, le plus grand, qui est le plus petit, 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 c'est celui qui vit à la dispensation de l'accomplissement pour qu'il soit cette année, la dispensation de la grâce. Vous savez pourquoi? Pierre, Pour toi, pour Nani, parce qu'un enfant a été moi.
souffert. Mais je peux soit reconnaître le nom de celui qui était avec Abraham. Et il a marché avec les apôtres. Et il est aujourd'hui avec les apôtres. Il est aujourd'hui avec nous. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul. Paul a dit, lorsque j'étais au milieu de vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Je n'avais pas besoin de connaître autre chose. De connaître ou proclamer le Jésus-Christ crucifié. Aujourd'hui, nous voulons parler de Christ et de la supériorité de langage. Ce n'est pas ça la prédication. Les anciens ont parlé de lui. Les apôtres ont parlé de lui. Et même nous en ce temps, nous n'avons parlé que de lui. Aujourd'hui l'église est devenue l'église de supériorité de langage. Les lois étonnent et comment étonnent et comptent et pour l'ukapole kabasus. Les juifs ont besoin. Les juifs ont besoin de voir les miracles. Aujourd'hui l'église est devenue l'église des juifs. L'église des juifs. L'église des grecs. Les gens qui sont à la recherche de la connaissance. Les gens qui sont à la recherche de la connaissance. Mais laisse-moi te dire. Et qui sont les missions et la Bible dit. Jésus Christ qui est le même. Tout celui qui est dans lui. Donc il va se glorifier. Il doit se glorifier dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il dit ceci. Jésus qui a été crucifié. Jésus qui a été crucifié. Dieu a fait de lui sagesse, sanctification, rédemption, prophétie. Si je parle en connaissance, je parle de Jésus. Si je parle en sanctification, je parle en Jésus. Si je parle de la rédemption, Jésus. Si je parle de la justification, Jésus. Voilà pourquoi la Bible a dit aux Corinthiens, si je viens au milieu de vous, je ne viendrai pas avec les prophéties. Je ne viendrai pas avec les prophéties. Mais je viendrai en doctrine, en connaissance, en révélation. Alléluia. Amen. Ça veut dire, si je suis en connaissance, en doctrine, en révélation, en prophétie, je ne parle que de lui. Ce qui n'a pas la tête, c'est que nous connaissons ce qui n'est pas. Amen. Écoutez, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Yes, merci à Yéno en patate. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Ah, merci Saint-Esprit. Écoute ce que l'Esprit me dit. Yo, comme le voyez, Samaï. Vous savez que la loi et les prophètes s'arrêtent à Jean. Oui, mais tu es mauvais copé, ça peut bien conçu par la loi. J'ai compris pourquoi Jean. La seconde loi. Lorsque il est venu, sa première mission était de présenter celui que l'esprit qui lui avait dit, l'esprit qui était en lui pouvait présenter. Voilà pourquoi lorsqu'il voit le Messie, il dit voici l'agneau. Même Esaïe parlait de Christ, lui aussi devait parler de Christ. Il devait parler de lui. Alors, donc, l'agneau de Dieu. Bon, La loi quatre parties. Le quatre parties de l'agneau. Ni ma commune, y'a mon empaté. Ok. Alors, pour moi, les plus jolies informations, vous êtes des oignons. Je veux savoir. Oui. Jésus-Christ qui est le même. Et si ma sœur dans les je comprends pourquoi. Là, quand ce sera pour la nuit. Je comprends pourquoi. Là, quand ce sera pour la nuit. Isaac a été substitué par un béni. Isaac a été baptisé, qui est baptisé, et il est baptisé, moi n'en pas. Parce qu'en ce moment-là, oui, tu n'as pas besoin. On avait besoin de quatre pattes. Bah, qui n'a pas ça, ma colombine. Les quatre pattes de la nuit. Ma colombine, il y a moi n'en pas. Jésus-Christ crucifié. Yes, Messia. Bah, qui est le plus. Il est devenu justice.
Ça, c'est la première pacte. Il est devenu sanctification. Ça, c'est la deuxième pacte. Il est devenu rédemption. Ça, c'est la troisième pacte. Et il est devenu sagesse. Oh, donc, la sagesse, voyons, c'est le domaine de la révélation. Et à moi, il y a des pignes et nous, car, donc, la Bible dit, il est à moi. Les sages avec leur sagesse n'ont pas pu connaître celui qui devait venir. Mais il a plu à Dieu de révéler ces choses à cesse. La sagesse est le domaine de la révélation. Voilà pourquoi la porte est pour la Dieu. Si je viens, je viendrai en révélation. Ça, c'est le domaine de la sagesse. On parle de la sagesse. Si un veillard était ici, mais ce qui est mort, mon Dieu, pourquoi il n'y a pas qu'à ça la gare? Il avait dit, mon fils avance. On a qu'un seul mot. Parce que nous qui sommes sur le trône, nous savons, nous savons, qui est digne de recevoir la sagesse. C'est lui qui a tassé sur le trône. La sagesse. La sagesse. À lui. L'agneau. Jésus. Yes. Non seulement il est la sagesse, il est aussi la sanctification. Oh, la sanctification, c'est le domaine de la connaissance. Car il a écrit, lorsqu'ils ont vu celui qui était sous le trône, ils ont dit, il est ça, il est ça, et ils reconnaissent en lui la sainteté, Jésus, la sanctification. Voilà pourquoi tout celui qui vient, il y a encore un autre domaine. Et sous les locaux sous la troisième pâte, c'est la rédemption. Oh, la rédemption, c'est le domaine de la prophétie. La boîte à parole dit quand je viendrai, et tu vas prendre le matin en toi. Je viendrai en prophétie. Garde tous les prophètes qui ont prophétisé. Il ne parlait que de la rédemption. À commencer par Moïse, il a parlé de la rédemption. Les rachats de peuple d'Israël sont de l'Égypte. C'est une image de la rédemption. Il reste les domaines. Il reste les domaines. La justice. La justice. La bonne année. Lorsque je viendrai. Dans la koya. Je viens de aussi en doctrine. La koya pe na moboko. Oh, la doctrine. Na moboko. C'est le domaine de la justice. Et y a moi, il a dit le lingue. Christ est dans la doctrine. Christ, on a quatre la Bible a dit. Il a la juste. Et y a un dit. Celui qui a satisfait. Mais où y a conquis. En exigeant de la loi. Il a mis signe. Je viens de dire à l'universal. Jésus-Christ est là-bas. Vous savez, c'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un grand privilège. Oh Seigneur. Oh, cool. Jésus-Christ est le même hier. Yes, merci à son ami mon colobi. Il est le même hier. À son ami mon colobi. Laissez-moi parler pendant 5 minutes un peu. Oui, c'est quand même le bas. Mon esprit est en train de me projeter dans les Écritures. Si je prends Abraham, Abraham, Dieu se révélait à lui en plusieurs dimensions. La Bible dit, la première fois Abraham, il y bâtit un autel et il invoqua les noms de l'Éternel. Mais un nom qui ne connaissait même pas.
Kota oyoye ya hebiti. Il a évoqué simplement les noms. Ne a bien dit kakako. Mais quel est ce nom? Ne kopa oyoye. Il les connaissait pas. Ne a évoqué amote. Il a progressé dans la révélation. Ne y a évoqué comment tana kati oyoye. Il se rend compte que Dieu il est El Elyon. Ne a monné que Yahweh a jali El Elyon. Et il commence à évoquer maintenant les dieux très hauts. Pe abadi kobi anga Yahweh ali kikoro. Mais il ne connaissait pas son père. Pe aka koso swati kopo ni asole zana. Il avance encore. A posa ni disusu. L'Éternel se révèle à lui. Ne kopa tani sa mission par là. Aïe, monsieur! Je suis le Dieu Tout-Puissant! Nous entendons bien en mouille! C'est-à-dire El Shaddai! Mais nous, El Shaddai! Abraham a changé son vocabulaire! Abraham a mouillé contre lui! Il commence à évoquer Dieu comme le Tout-Puissant! Mais il ne connaissait pas! Mais il ne connaissait pas! Mais à quoi ça sur la tête? Après! La cima! Il dit Dieu est Elola! Mais à l'objet d'être Elola! Le Dieu de toute éternité! Mais il tombe et il connaît Kayos! Mais quel est son nom? Mais contre lui, il n'a rien! Cela arrive dans la vie de Jacob. Mais on est copé au moyen. Jacob se bat avec Dieu. Comme il est en L'Éternel va le bénir. Mais dans les copains, il lui dit quel est ton nom? Comment on a? Mon nom c'est Jacob. Comment on a Jacob? Non, c'est plus Jacob. Tu vas le bénir Israël. Au copé Israël. Jacob lui pose une question. Pourquoi tu nous Pourquoi? Pour Nani. Dis-moi quel est ton nom? Mais ça va comment on a? Ton nom c'est comment? Comment on l'a Non, je lui réponds ceci. Mais moi, j'assume ceci. Pourquoi me poses-tu la question pour savoir mon nom? Pour la Bible dit qu'il est béni, il s'en alla. Mais tu n'as pas pour les pécher. Jacob par révélation. Donc, vous voulez Il y bâtit un hôtel. Deuxième, à Saint-Étienne. Il a fait un hôtel. À Béni-Étienne. Béni. Le Béni. C'est-à-dire, je vis Dieu par sa grâce. Mais c'est la bonne idée où la mission. La clarté commence à venir un peu. Les potes ont pour les bâtiments. Il a vu Dieu par sa grâce. À mon idée. On progresse. Et toi comment? On progresse. Toi comment? Gédéon. Gédéon. Il bâtit un hôtel. Mais il est assez équipé. Il appelle ça Jehovah Shalom. Il appelle ça Jehovah Shalom. C'est le Dieu de paix. Il m'entend bien la Kimia. Mais quel est son véritable nom? Mais comment on est à Solonan? Le nœud est en train de charger. Mais, Bakou. Le nœud est en train de charger. Manoach. Manoach. Il pose la question. Mais à qui le retourne? À l'ange. Mais à l'ange. Dis-moi. Viens, Missama. Quel est ton nom? Comment on a? Il dit mon nom. Ah, mais comment on a? C'est admirable. Admirable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque lui-même, oui, il a vécu sous la dispensation de la loi. Il a vécu à la tête de la loi. Il y a ses disciples. Ah, il Allez. Ok. Baptisez-le. Mais ok, les mots Au nom du Père. La copa tata. Voilà. Kakabe. Ce jour-là, mon colon. Quand l'esprit est descendu. Dans mon limokiti. Quand l'esprit est descendu. Dans mon limokiti. Pierre a compris. Pente la sosoli. Celui qui s'est caché. Oya mania qui combatta. Car la Bible déclare. Il est attendu. Esaïe 42 verset 15. Tu es le Dieu qui se cache. Oya ta combatta. À plusieurs reprises. Bien des prières. La prière disait Seigneur. Montre-moi ta face. Rappelle-moi ton nom. Il a caché cela, David. Quand l'esprit a venu, Pierre a dit que chacun de vous soit baptisé par au nom du Père, par au nom du Père, par au nom du Fils, par au nom du Saint-Esprit, mais au nom de Amen. Jésus-Christ n'est plus voilé. Jésus-Christ n'est plus voilé. Raison pour laquelle le voile du temple est un agile. C'est pour dire ceci. Tout le monde aujourd'hui a la connaissance. La connaissance de Christ. La révélation de Christ. Le Dieu qui s'est caché. Il s'appelle Jésus. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu peux sortir. Mais moi je confirme. Jésus. Amen. 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 Il est Dieu. Azanda.
Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Raison pour laquelle, lorsque je parle de lui, fais comme mon grand frère Paul. Je n'ai pas besoin d'utiliser une sagesse extraordinaire. Je n'ai pas besoin d'être trop éloquent. Je n'ai pas besoin de prononcer son nom. Car la Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Si tu portes le nom de Jésus, réjouis-toi. Même si tu étais malade, écoute tes révélations. Le nom que tu portes, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. De tout nom. Amen. Est-ce que je prêche l'église ce soir? Amen. Est-ce que je prêche l'église ce soir? Amen. Est-ce que je prêche l'église ce soir? Amen. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Écoutez. Même si je défends le mot français. Mais l'essentiel, que le nom de Jésus soit cité. Car le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est tout un mystère. Le nom de Jésus, c'est la puissance. Le nom de Jésus, c'est celle qui est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Aujourd'hui, je ne prêche pas de Jésus, yes, qui était passé. Oh, allez, mais je parle de Jésus d'aujourd'hui. Amen. 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 Aujourd'hui. Lélo. Moi, je ne peux pas dire, Seigneur. Fais comme Anne. Salalokola Anna. Anne était sous la loi. Anna a quitté sa robe. Je n'ai pas besoin de ça. Anna a posé la robe. Comme David. David qui son plaisir était de rester dans les parvis de Dieu. David il pense qui atikala na et bah les nana quoi yao. Si je dis Seigneur fais-moi comme David non je vais rester dans les parvis. Na atikala les parvis. Non. T'es. Moi je n'ai pas besoin que tu me fasses comme David. Na la pense que ça va le coller David. Parce que le temps de David est déjà passé. C'est le temps madame qui s'y est le cas. Tu es le Dieu. Aux enfants. Qui m'a amené dans cet temps de l'accomplissement. Au temps de l'accomplissement. Jésus-Christ est le même. Et aussi éternellement. Éternellement, c'est la dispensation du royaume. Puisque nous sommes au temps de l'accomplissement. Le temps de l'accomplissement nous conduit vers la dispensation du royaume. C'est-à-dire la dispensation de l'éternité. Raison pour laquelle Christ a envoyé les disciples. Il leur dit, allez et prêchez. Okay, au côté. Le royaume des cieux, dans ce temps, nous devons proclamer les règnes de Dieu. Et c'est ce qu'on tente de voir. C'est ça les doxa. Mais il y a quoi dans doxa? Les doxa. Les doxa. C'est la parole qui peut être prêchée. Parce que c'est le royaume qui nous amène. Les doxa qui nous amène vers le royaume. Prêcher la prospérité, c'est bien. Les côtés à vos yeux, ça m'a l'air. Prêcher les richesses, c'est bien. Côté à mon solo, et ça m'a l'air. Ça veut dire les chercher premièrement. Mais tout ça, les doxa. Les doxa. Les doxa. Vous savez une chose? Oui, mais non, comment? Je vais faire un parallélisme et une typologie. Qui peut savoir la dernière personne qui a fait le dernier prophète, le dernier juste qui avait eu la grâce de toucher l'enfant Jésus, le sauveur? Il s'appelait comment? Siméon. Il s'appelait comment? Siméon. Siméon. Il est comme l'église. Mais Siméon, ça va être tout là. Siméon, Siméon, c'est l'image de l'église. Nazaïdéto. Je comprends pourquoi Salomon avait dit ce qui a été dit, c'est ce qui sera. Na sekwani Salomon avait dit quoi? Il a dit qu'il y a un des coucous macacapéga dans le sang. Siméon, Siméon a touché l'enfant Jésus. A simi mono Jésus. Après sa circoncision, na simoka tamandenga na le 33e jour. Le côté là, 33e kouissa. Or le chiffre 33. Donc à quoi dans le 33? Le chiffre de la grâce. Mais il est au terme. Parce que Christ lui-même. Côté Christ lui-même.
qui a instauré la grâce. Oh, tiens, oui. N'a fait que 33 ans. Mais il y a ces connaissances de 33 ans. Raison pour laquelle, la même quand Pierre avait péché, attends, on va péter la souka. Sa dernière pêche, il avait attrapé 153 poissons. Il y a 153 poissons. Les 120 de Moïse, 120 à Moïse, et les 33 de Jésus. Il y a 33 de Jésus. C'est ce qui fait la totalité. Et à moi, c'est le copisal. Mais Simeon, il touche Jésus. Mais il y a Simeon. Le 33e jour. Mais à moi, le 33e jour. Et puis Simeon, lorsqu'il touche Jésus, t'as pas Simeon. Jésus n'était pas seul. Yes, à qui est mon côté. Il avait des couperelles. Néyé Azarakina, des Kébubali. Des pigeons. Il va des Kébubali. Oh! Donc, la colombe ou le pigeon? Né à mon équipe. C'est l'humain de l'esprit. Né l'élimi à mon lit. Oh! Donc, les 33e jour. Né les 33e jour. Simeon reçoit l'enfant. Donc, Simeon reçoit moi. Il dit Seigneur. Avec quoi? Maintenant, ton serviteur peut mourir. Et c'est que mon Seigneur au Koufa. Il peut mourir maintenant. Au Koufa. C'est-à-dire? Ignore. Il dit. Allô, oui. Le temps de la grâce est fini. T'as mon mollet ici. J'ai touché la grâce. C'est la simigolo. La grâce doit passer. Mais mon mollet, c'est. Car le 34e jour. Mais pourquoi tu es 34e jour? La grâce ne sera plus là. Et à mon mollet, vous insultez. Oh! Donc, le 33e jour. Mais le 33e jour. C'est l'image de la fin dispensation. Mais j'allais les lignes plus mélodies. Qui doit nous conduire. Mais c'est ma mission. Sur le 34e jour. Mais la 34e jour. Oh, le 34e jour. C'est le temps de la tribulation. Mais j'allais tant que moi. Voilà pourquoi la porte est dit. Le mystère de l'humidité. Achez les gens, il faut que celui qui les retient et il disparaît pour que les pieds apparaissent. Simeon, lorsqu'il a tient, lorsqu'il a tenu, l'enfant Jésus, il a dit, c'est fini, et si, je vais mourir. C'est le temps de l'église. Quand l'église sera la raconte, quand la poule, ce n'est pas tout le monde. Les hommes ont touché l'enfant Jésus. Les voici, maman, Jésus. De la même manière que Simeon était le seul au moment de l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui verra le Christ. Ce n'est pas tout le monde. Ils ont donné sortir. Oh, donc, lorsqu'il tient la porte, ils vont prendre la tour d'elle et c'est qu'il faut tuer. Cette année, après l'enlèvement de l'église, le temps de la grâce est parti. Ceux qui ont l'esprit, ils sont partis. C'est ça le tour de l'homme. Jésus-Christ. Yes, Massia. Et les mêmes. Azam. Yeah. Le béni. Bonjour. Et le béni. Jésus-Christ. Yes, Massia. Et les mêmes. Azam. Le béni. Il est le même. Azam. Le béni. Nous sommes de la race de Simeon. Nous allons venir à Simeon. Bien aimé, nous sommes en train de partir vers le 34e jour. Mon ami, vous allez commenter dans le 34e jour. Attention. Kéba. Le fils de l'homme est à la porte. Les mois dans votre salle n'a écouté. Je serai heureux. Na cosa la montuna e je serai heureux. Cosa la montuna e se je serai heureux. Na cosa la montuna e se à la fin de ce message. Et na suka ya sangoyo. Quelqu'un se dit. Et des mots de mon cœur me là. Non, je ne suis pas inutile. Te na cosa montuna pamba te. Je porte Jésus-Christ à moi. Na comme ma Christo katina. Et je suis en train de vivre dans la dispensation de l'accomplissement. Na kobika na kate pi mela kokisa. Plus jamais je veux pleurer. Et pour le côté na kolé là. Parce que Jésus, oui, te Jésus, il a tout accompli. Il a kokisa nos. Dans cette dispensation. Aujourd'hui, c'est le temps de l'accomplissement. Et c'est le temps de la grâce. Et c'est le temps où l'impossible est possible. Et j'attends dis à une personne, ce qui était pour impossible dans votre vie, que cela devienne possible. Que cela devienne possible. Que cela devienne possible. Que cela devienne possible. Vous savez que la Bible déclare, oui, bien, oui. Il est facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. La Bible dit, bien, oui. Les disciples ont dit, c'est quasiment impossible. Mais Jésus a dit, cela est possible. Si c'est pour vous impossible, mais pour un chameau,
qui a de l'eau, qui a de l'eau, c'est possible. C'est ça, bien-aimé. Sois comme un chameau ce soir qui va ingurgiter cette parole. Car si la parole est en toi, la parole c'est Jésus. La parole c'est Jésus. Ce qui était impossible deviendra possible. Lève-nous. Nous allons prier. Jésus. Yes. Le même. Azal. Nigue mon. Hier. L'obéité. Léno. Éternellement. Pile de la vie. Jésus. Yes. Et le même. Azal. Nigue mon. Hier. L'obéité. Aujourd'hui. Léno. Qui est éternellement. Pile de la vie. Celui qui avait révélé avant. Moi, c'est ça qui m'a appris. Il est le même. Azal. Nigue mon. Aujourd'hui. Léno. Celui qui s'est révélé. Moi, c'est ça qui m'a appris. Au prophète. Il est le même. Azal. Nigue mon. Aujourd'hui. Celui que Jacob avait vu, le Dieu de face à face, c'est lui Jésus. Car la Bible déclare, la parole faite chair, à tous les hommes, mais bon, nous avons contemplé sa gloire, dans la gloire du Fils unique. Tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de connaître tes problèmes. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de savoir qui est en train de t'ensorceler. Qui est en train de te combattre. Tu as besoin de Jésus. Les enfants de Dieu sont habitués aujourd'hui à faire des démonologies, à connaître les sources de leurs problèmes. Mais ils oublient. Celui qui donne la vie, celui qui s'appelle la solution, celui qui s'appelle la solution, celui qui s'appelle la solution. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi tu souffres, mais tu as besoin de Jésus maintenant. Ignore tes souffrances. Ignore tes problèmes. Ignore tes difficultés. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Montre-nous le Père, car cela nous suffit. Montre-nous le Père, car cela nous suffit. Montre-nous le Père, car cela nous suffit. Je vais prier avec quelqu'un aujourd'hui. Je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec quelqu'un aujourd'hui. Jésus, il est le même. Il est le même. À ça, le lien est encore. Hier, je vais l'écrire. Aujourd'hui, et non, et éternellement. Bien, bien, bien. Ce qui s'était passé dans la ville de Siméon. Oui, car qui n'a pas moyen, Siméon. C'est là la même chose. Et qu'on s'appelle le lien encore. Dans ce temps ici. Attends-moi. Dans ce temps ici. Attends-moi. Le 33e jour à s'approche. Et on va prendre le jour. Et parce que Jésus est le même. Oui, bien, je pense à ça, le lien. Nous marchons lentement sur le monde. Où es-tu, Siméon?